Sophie Montel, pourquoi avoir décidé ce matin de démissionner officiellement du Front National? Parce que je crois que je suis arrivée au bout du bout de ma réflexion. Ça fait un certain nombre de mois que je note un changement de ligne à l'intérieur du Front National, dicté essentiellement par d'anciens maigrettistes. Vous savez, moi, j'ai passé 30 ans au Front National, je n'ai pas suivi les maigrettistes en 98, et c'était pas pour suivre cette ligne imposée par eux en 2017. J'assiste effectivement, j'assiste un peu consternée d'ailleurs, à la mise en place d'un changement de ligne. On parlera beaucoup moins de souveraineté nationale à l'intérieur du Front National, et on veut se recentrer quasi exclusivement sur la thématique de l'immigration, qui est évidemment une thématique essentielle, mais qui n'est pas la seule. Et j'en ai déduit, et je ne suis pas la seule à avoir eu ce raisonnement, que finalement, il s'est passé quelque chose, vraiment, une sorte de déclic après l'élection présidentielle, et qu'un certain nombre de gens qui entourent Marine, je ne parle pas de Marine elle-même, je parle des gens qui la conseillent, qui l'entourent, qui pensent qu'on n'y arrivera jamais, et que donc, par là même, il est plus intéressant de se replier sur le matelas électoral qui consiste en une base dure, à savoir un électorat à hauteur de 7, 8%, 10% quand tout va bien. Et donc on adapte le discours en fonction de cet électorat, et donc on va assister très certainement dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, à un discours beaucoup plus virulent et beaucoup plus dur sur notamment la thématique de l'immigration, alors qu'au contraire, effectivement, l'immigration est un problème en France, la submersion migratoire est incontestablement un grand problème en France, l'islamisme est aussi un énorme problème. Le Front National a toujours proposé des solutions, moi j'ai toujours défendu le programme du Front là-dessus, mais j'ai estimé aussi que en 2017, il y a un certain nombre de Français qui sont d'origine, qui sont devenus Français, mais qui ont été naturalisés. Et j'ai noté que nous avions encore une grande réticence. Ces gens sont inquiets. J'étais plus, moi, pour qu'on puisse s'adresser à tous les Français et qu'on essaie de sortir de la caricature dans laquelle on nous place sans arrêt. Le plafond de verre, c'était dû à cela, à Je trop pense, parler de non, l'immigration? pas trop parler d'immigration, mais peut-être en parler de manière par moments caricaturale. Il ne s'agit pas pour moi de renier ou de contester la réalité du programme sur l'immigration du Front National. Je le partage à 100%. Je dis simplement qu'il y a eu un certain nombre de sorties de la part de gens du Front qui tendent à caricaturer le Front National et ses dirigeants et qui nous empêchent de progresser. On a fait le reproche, on a fait le procès à Florian Philippot à la sortie de la présidentielle. Un certain nombre de cadres sont sortis du bois et se sont attaqués à Florian de manière très violente, voulant le rendre responsable du... On n'a pas fait un mauvais score, on a fait 11 millions de voix, mais on n'a pas gagné. Donc il faut un bouc émissaire, en l'occurrence, et on s'est retourné contre Florian Philippot. Or, ce qui s'est passé le 8 mai, le lendemain de l'élection présidentielle, avec les sorties de Collard, de Monod, de Nicolas Beck contre Florian Philippot, ça fait des mois, pour ne pas dire des années, que ça goume. On reproche à Florian de refuser la critique. On lui dit même aujourd'hui qu'il se victimise. S'il avait voulu se victimiser, très sincèrement, M. Chevreuil, il l'aurait fait il y a 5 ans. Parce que Dieu sait s'il a pris des coups, Dieu sait s'il a subi des critiques d'une violence inouïe à l'intérieur du Front National, y compris avec des gens qui se permettaient de le faire sur la place publique et par médias interposés, en on ou en off d'ailleurs. Et s'il y a quelqu'un qui est respectueux du débat, c'est Florian, je rappelle qu'on lui a fait le reproche, comme à moi d'ailleurs, de ne pas nous reconcentrer sur la refondation du Front National. Or, Florian comme moi, nous avons assisté à toutes les réunions qui ont été mises en place pour justement cette refondation et nous avons fait des propositions. Sauf que sur la ligne, il y a eu une évolution effectivement ces dernières années du Front National, sous l'influence notamment de Florian Philippot. Là, Florian Philippot a moins d'influence. On vous a demandé de raser les murs, et ces dernières semaines, on n'a entendu que vous. Alors, est-ce qu'effectivement, ceux qui vous critiquent en disant vous ne respectez pas la ligne fixée par la présidente n'ont pas raison? Non, je crois moi que je suis toujours fidèle à mes convictions et je défendrai toujours la ligne de Marine qui jusqu'à aujourd'hui prévalait à l'intérieur du Front National. Je ne dis pas que Marine, elle, a changé d'idée. Je dis très honnêtement qu'il y a dans l'entourage de Marine des gens qui ont pris les commandes du Front National et qui ne partagent pas la ligne de Marine. Le jour du départ de... Quand Marion Maréchal Le Pen est Elle n'est pas partie, prise en otage par ces gens. C'est ben, bien elle qui a pris il les y a... décisions de vous Elle est, exclure de elle la est, oui, mais présidence, elle est de... visiblement sous influence. Il y a un certain nombre de faits. Quand Marion Maréchal Le Pen, écoutez-moi, j'ai
J'ai soutenu Marine en 2011 pour le congrès qu'il a porté à la présidence du Front National parce que je savais qu'elle était justement sur cette ligne ni droite ni gauche. Elle l'a défendue. Cette ligne, elle est vieille à l'intérieur du Front National. Elle n'est pas née de l'accession de Marine à la présidence du Front National. Elle a toujours existé. Moi, j'ai toujours été sur cette ligne-là. Marine porte cette ligne au plus haut. En 2011, elle se présente sur cette ligne-là. En 2017, on a une élection présidentielle. Le lendemain de l'élection présidentielle ou quelques jours après, Marion Maréchal Le Pen s'en va. Et là, on a assisté à quelque chose d'assez étonnant, où tous ceux qui soutenaient Marion en interne, parce que la situation actuelle du Front National, c'est que 90% des fédérations, à la tête des fédérations du Front National, 90% des secrétaires départementaux n'ont jamais été sur la ligne de Marine. Ils sont sur une ligne union des droites, droite plus dure, droite nationale, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, ils n'ont jamais été sur la ligne de Marine Le Pen. J'ai alerté d'ailleurs Marine à plusieurs reprises en disant « Attention, ton appareil est en train de partir, est en train de s'éloigner de ta ligne. » Bon, visiblement, c'est resté lettre morte. Donc, on assiste, j'assiste moi, je constate que depuis le départ de Marion Maréchal Le Pen, tous ceux qui soutenaient Marion en interne et qui critiquaient vertement, de manière souvent très violente, pour ne pas dire ordurière, Marine Le Pen et sa ligne, se sont subitement, par un coup de baguette magique, sont devenus des marinistes frénétiques. Et que ceux qui étaient des soutiens de Marine, comme je l'ai été, comme Florian l'a été, parce que je rappelle que Florian, il est venu pour Marine, il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, ni pour autre chose que pour la ligne souverainiste, la ligne ni droite ni gauche, ces gens-là nous ont... J'ai entendu parler de loyalistes, marinistes, et moi, je ne serai plus loyaliste, et je serai une odieuse philippotiste, et Florian serait à la tête... mènerait une offensive contre Marine et tout, alors qu'il n'y a pas plus loyal que nous. Moi, j'ai toujours défendu, mais arrive un moment, M. Chevreuil, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas être plus mariniste que Marine. J'ai subi effectivement une décision, une sanction d'une brutalité sans nom quand elle m'a retiré ma présidence de groupe, une sanction que je n'ai pas comprise, et aujourd'hui encore, ils sont incapables. Lundi, nous avions un bureau politique, j'ai redemandé des explications, on ne m'en a donné aucune. On n'a pas été capable de me dire, voilà, c'est pour telle ou telle raison, parce qu'en réalité, il n'y a rien dans le dossier, il n'y a rien à me reprocher. Le seul fait, c'est que je suis proche de Florian, et que donc on a commencé, après la présidentielle, à mettre en place, à actionner un bouton, à faire appuyer sur le bouton, en disant, voilà, on dégage tous les proches de Florian Philippot, et on les met à la porte, voilà. Et le processus est arrivé, on est au bout du bout, quoi. Moi, je n'envisage pas de rester à l'intérieur du Front National, malgré mes 30 années, je ne renie rien, hein, voilà, je ne suis pas là pour me lamenter, ou pour cracher, ou pour... Mais je constate qu'il y a une dérive, j'assiste au Conseil Régional le 30 juin, je vous donne un exemple tout bête, mais à l'intérieur du Front National, il y a énormément de gens qui se revendiquent, en tout cas dans les responsables, qui mettent en avant leur religion, leur conscience religieuse, avant la politique, le Front pourtant a toujours été un parti inconfessionnel et laïque. Or, aujourd'hui, il y a aussi cette dérive-là, de voir des gens qui mettent en avant leurs convictions religieuses avant leurs convictions politiques. Quand le 30 juin, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Madame Dufay décide de faire une minute de silence, qui est bien normale, hein, en la mémoire de Simone Veil, une élue de l'ex-groupe que je dirigeais, Madame Ferrand, pour ne pas la nommer, qui est l'épouse du chef de la délégation au Parlement, de la délégation FN au Parlement européen, proche de Louis Alliot, cette dame se permet de se lever et dit « à ça jamais ». Alors déjà, c'est très choquant parce que quand on se dit catholique ou chrétien, le respect des morts, ça fait partie des valeurs premières. Et puis, je trouve que on voit déjà derrière se profiler quelque chose. Simone Veil, c'est la loi Veil. Et donc, Madame Ferrand exprime là son désaccord avec la loi Veil et donc par là même son désaccord avec la ligne de Marine, puisque nous avons toujours dit que nous ne reviendrions pas sur la loi Veil. Donc voilà, Et puis moi, ce que je déplore aussi, c'est que finalement, bon, voilà, j'ai été sanctionnée injustement, je suis pas amère, je suis pas rancunière, je fais pas... Aujourd'hui, je quitte le Front, c'est pas la perte de la présidence au Conseil régional, mais c'est l'accumulation d'un certain nombre de choses. Et donc, la réalité, c'est que c'est Madame Ferrand qui aurait dû être sanctionnée, c'est pas Sophie Montel. Et en réalité, il n'y a jamais de sanction, ni de frein apporté, ni de frein donné... dans la direction de cette ligne identitaire et cette ligne beaucoup plus droitière. Quand moi j'interpelle Marine en lui disant « mais enfin,
Moi, je veux bien, tu me coupes la tête, tu opères une sanction à mon égard et tout ça, mais qu'est-ce que tu fais avec les autres? Pourquoi tu leur demandes pas de se taire quand ils bavent sur Florian dans les médias, quand ils racontent des horreurs, quand on dit des diabolisations pièges à cons, qu'on balance? Il y a beaucoup de gens qui croient en la dédiabolisation mise en place par Marine et par Florian depuis un certain nombre d'années. C'est quoi aujourd'hui de leur dire des diabolisations pièges à cons? Ça veut dire. Le FN se rediabolise. Mais je pense que. En tout cas, à l'intérieur du front, il y a beaucoup de gens qui souhaitent cette rediabolisation et qui, je le dis, ne sont plus dans la logique de gagner, de vouloir gagner, qui sont dans une logique quasiment de réflexe patrimonial, c'est-à-dire s'assurer de quelques élections, quelques indemnités. Après tout, l'opposition, c'est confortable. La responsabilité, les responsabilités, les leviers dans les exécutifs, c'est autre chose. Et ces gens-là n'ont pas envie de gagner, ils ont envie de rester sur un matelas électoral, ils ont dû faire leurs calculs en disant voilà, on pourra perdurer avec un petit matelas, 6, 7, 8%, et vaille que vaille, et la France on s'en fout, et les Français aussi. Certains analysent ce qui se passe en ce moment comme le fait que le Front National retourne à l'extrême droite, redevient un parti d'extrême droite. Vous êtes d'accord avec ça? Ce que je vois moi, c'est que j'exclus Marine de ça. Parce que c'est une personne qui s'est toujours battue à l'intérieur du Front National pour la dédiabolisation. Elle a pris des coups en plus. Je veux dire que quand elle a entamé ce processus de dédiabolisation, c'était pas facile à l'intérieur du Front. Elle s'est battue, elle a pris des coups. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de résignation et que malheureusement autour d'elle, il y a beaucoup trop de gens qui veulent la rediabolisation. Et ce que je regrette aussi, c'est que finalement, le Front n'apparaisse plus du tout comme un parti de rassemblement. La preuve en est aujourd'hui, on se sépare de Florian Philippot, on le pousse à la sortie. Or, Florian, ben voilà, il est gaulliste, il est souverainiste, il vient du chevènementisme, et puis aujourd'hui, on le met dehors, on le pousse à la sortie, parce que voilà, on lui retire sa vice-présidence, en tout cas, les délégations à ce qui allait avec sa vice-présidence. Voilà, c'est une espèce de... c'est une gentille façon de lui dire « maintenant, tu t'en vas ». Et donc je note que le Front n'accepte pas le rassemblement, puisqu'on est incapable d'accepter quelqu'un qui n'a pas fait toutes ses classes au Front National depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui est passé par un autre cheminement politique, un autre cheminement intellectuel pour arriver au Front en se reconnaissant dans la ligne de Marine, et aujourd'hui on lui dit « va-t'en ». Après 30 ans de militantisme, vous découvrez les méthodes de certains cadres du Front National? Alors, pendant très longtemps, moi, j'ai été une militante de terrain, puisque quand j'ai adhéré en 87, j'ai commencé à militer en 90, et je ne suis rentrée au bureau politique qu'en 2003. Donc, les méthodes, si vous voulez, nous, on vivait dans notre fédération du Doubs, on participait aux élections et tout. J'avais pas accès, au niveau national. Je suis rentrée en 2003 au bureau politique. Effectivement, j'ai assez rapidement compris qu'il y avait parfois des tensions vives et tout ça, mais les choses se réglaient de façon... Les choses se réglaient de façon plus correcte. Alors, bien sûr, on est un parti où on est un peu habitué aux coups de sang, aux engueulades, voilà. C'est un peu la façon de fonctionner à l'intérieur du Front, mais il y a une brutalité, une agressivité qui s'est développée au fil des ans, depuis ces dernières années, en interne, où les tensions étaient plus que palpables, où les gens s'envoient des choses ultra violentes à la figure, sans qu'il y ait de coups de sifflet. Sans qu'il y ait de volonté de remettre les uns à leur place et de dire aux autres, bon voilà, mettez un peu d'eau dans votre vin et tout. Moi j'assiste ce matin, je vois déferlement de haine à l'encontre de Florian. Louis Alliot fait un tweet ultra violent et brutal à l'encontre de Florian. Ce que j'ai vécu, je l'ai dit tout à l'heure, en Bourgogne-Franche-Comté a été d'une violence et d'une agressivité inouïe. Je me demande encore qu'est-ce qui justifiait cette décision. Quand on demande des explications, quand on cherche à comprendre, on n'en obtient pas. On est devant un mur lisse qui prend prétexte de l'Association des Patriotes. Alors l'Association des Patriotes créée par Florian au mois de mai, elle a posé aucun problème, puisque en mai, juin, juillet, on disait oui, c'est un think tank, c'est un cercle de réflexion à l'intérieur du Front National. Oui, bon, voilà, le timing était peut-être pas le bon, le meilleur, mais bon, voilà, on en prenait acte. Et subitement, au mois de septembre, ça devient le truc, les gens nous disent, les adhérents, mais enfin, soyons sérieux, moi je n'ai absolument jamais rencontré quelqu'un dans la rue, électeur du Front National en l'occurrence, venir me dire « Madame Montel, c'est quoi l'Association des Patriotes ? Ça me perturbe, j'endors pas la nuit, c'est troublant et tout ça ». C'est évidemment un faux prétexte.
En plus, Louis Alliot avait lui-même monté en 2010 une association du même genre de réflexion qui a organisé des colloques, ce que Florian n'a jamais fait, et qui n'a jamais suscité. Alors, c'est autorisé parce que c'est le compagnon de Marine ou c'est... J'aimerais bien qu'on m'explique, moi, la réalité. Puis j'entendais ce matin M. Bay parler de trahison de Florian Philippot. Alors là, permettez-moi de parler avec mes 30 ans de Front National. Quand j'entends M. Bay qui a passé 10 ans au MNR à essayer de trucider le Front National de toutes les façons possibles et imaginables, et notamment en mettant en 2007 des candidats partout en face des candidats FN, ce qui a failli tuer le Front, puisque nous avions 3/4 de nos candidats n'avaient pas fait 5% et que les petites voix qui manquaient, il fallait aller les chercher, on les trouvait chez les candidats MNR. L'entendre jouer les loyalistes aujourd'hui auprès de Marine Le Pen alors qu'il décrivait Marine il y a encore quelques années comme étant quelqu'un, c'était le vide doctrinal sidéral. Vous voyez, moi jamais je ne tiendrai tel propos à l'encontre de ma présidente, enfin de mon ex-présidente, et je trouve qu'aujourd'hui un certain nombre de gens sont ingrats, mal placés pour venir donner des leçons de loyauté politique. Voilà. J'ai été moi blessée quand j'ai pu lire dans la presse régionale, par exemple, que le nouveau groupe FN, c'était les gens loyaux, c'était la ligne mariniste et tout, m'excluant déjà, par principe, de cette ligne-là. Moi, j'ai été fidèle à Marine, je l'ai toujours défendue, mais encore une fois, j'arrive au bout du bout de ma réflexion et je ne peux pas être plus mariniste que Marine Le Pen. On a l'impression que vous avez du mal à lui en vouloir. Mais je ne lui en veux pas. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Non, j'ai aucune haine, j'ai pas de rancune, je veux pas rentrer dans des batailles de chiffonnières ou des choses comme ça. D'abord, ça m'intéresse pas, puis en plus de ça, j'ai pas de raison. Je suis plus attristée par la situation, je suis plus triste pour elle finalement, parce qu'en se privant de Florian, elle se prive déjà d'un ami, de quelqu'un avec qui elle entretenait d'excellentes relations. Et puis aussi, il y avait une complémentarité intellectuelle dans le combat politique. Elle se prive de lui, elle va se retrouver isolée à l'intérieur de son propre mouvement, au milieu de gens c'est ce que j'entrevois, je me dis, voilà, ils se sont retournés contre... C'est une technique courante, on s'en prend au principal lieutenant avant de s'en prendre au chef. Donc voilà, elle se retrouve maintenant entourée de gens qui lui sont hostiles. Voilà, reste à savoir si elle a... Enfin, ce qui me désole là-dedans, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait de réaction de sa part, qu'elle réagisse à tout ça. Vous allez faire quoi maintenant ? Ben, je vais continuer le combat L'association les Patriotes, ça peut être un parti politique, ça peut être une manière de rebondir. Je ne sais pas pour l'instant, on verra ce de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, l'avenir assez court, parce que je ne vais pas prendre 10 ans de vacances. Non, on continue le combat politique. Moi, j'ai des convictions, j'ai un engagement. Je continuerai évidemment mes mandats, je conserve mes mandats. Au Front National, on va vous demander de les laisser, oui, puisque vous avez été élu sous l'étiquette FN. Oui, mais j'estime pour ma part avoir apporté une plus-value au Front National. Je dis ça en toute modestie, hein, j'ai pas les chevilles qui enflent ni la tête qui gonfle. Puis je pense que le Front ferait plutôt mieux de demander, ou en tout cas ceux qui demandent aujourd'hui ma démission de mes mandats, je les accomplis avec sérieux et j'estime faire mon travail de manière correcte, plus que correcte. Et je pense que le Front ferait mieux de demander à tous ceux qui se glandent dans les conseils régionaux, qui ont été mis en place uniquement par copinage ou parce qu'ils étaient l'ami ou l'ami I ou IE de tel ou tel responsable fédéral ou national. C'est plutôt ces gens-là à qui on devrait demander d'arrêter de faire la politique et puis de laisser leur mandat. C'est aussi une des raisons pour lesquelles... c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'arrête aujourd'hui avec le Front National, c'est que évidemment dans tout parti politique il y a les copinages, il y a ces choses-là, mais moi je l'ai vécu de manière très violente au moment des investitures au régional, puisqu'un certain nombre de gens que je ne voulais pas sur mes listes parce que je savais qu'ils ne faisaient pas le poids ou parce qu'ils n'étaient là que parce qu'ils étaient la femme d'eux, ils m'ont été imposés. Donc après, on fait comment ? On gère comment un groupe ? On fait comment avec des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas sérieux, on m'a fait le reproche dans mon groupe, ceux qui sont restés dans le groupe FN, d'être hégémonique. Mais moi, je suis quelqu'un de sérieux, j'aime le travail, je suis respectueuse des électeurs. Donc quand les électeurs nous accordent leur confiance, c'est pour aller défendre un programme et nos idées, c'est pour les défendre. C'est pas le Club Med, le conseil régional. Ou un mandat, c'est pas pour se faire plaisir avec des cartes de visite ou pour avoir des invitations gratuites ou demander des invitations pour être dans la loge à Sochaux, la loge VIP ou ces choses-là. Moi j'ai toujours
Voilà, maintenant je voyais ça avec amusement hier. Sitôt débarrassée de l'horrible Sophie Montel, mes collègues du groupe FNRBM ont tout de suite pris, ils sont vite allés réclamer les tablettes iPad qui étaient proposées en début de mandat. Or moi je Est-ce que les ai vous aviez refusées. refusé? Ben, j'ai demandé à ce qu'on les refuse parce que quand on gagne 1 600 € net par mois comme conseiller régional, ce qui n'est pas mon cas à moi puisque étant député européen, c'est 0 €. Mais en tout cas, un conseiller régional de base, c'est à peu près 1 600 € net. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas se payer soi-même une tablette, il faut encore qu'on aille taper le contribuable. Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Alors, ça peut paraître, certains diront que c'est de la démagogie ou des trucs comme ça, mais je pense que plutôt que c'est une espèce de. C'est une ligne de conduite. Il faut, quand on veut donner des leçons aux autres, il faut soi-même être à peu près propre, quoi. Voilà, je ne dis pas que je suis adepte du plus blanc que blanc, c'est pas ça. On n'est pas dans une compétition de savoir celui qui lave le plus blanc, c'est pas ça. Il faut avoir des principes dans l'existence et s'y tenir. Donc moi, voilà. Je reviens à votre avenir. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un créneau politique avec Florian Philippot et par exemple Nicolas Dupont-Aignan qui a tendu des mains ces dernières semaines? Est-ce que cela, ça pourrait vous convenir? Oui, mais je crois qu'il y aura des discussions entre Florian et Monsieur Dupont-Aignan, évidemment. Je crois aussi que Florian suffisamment de surface et d'envergure politique comment dire, pour peut-être se lancer ou pour voir voilà, l'avenir le dira, mais c'est un avenir assez proche, effectivement, c'est pas, on va pas attendre 10 ans. Je pense qu'il y a déjà des relations qui existent entre Florian et Nicolas Dupont-Aignan et que voilà, c'est vrai, le souverainisme en France a un avenir. On assiste avec cette élection présidentielle à une décomposition. On a vu l'écroulement des grands partis, que ce soit les Républicains ou le Parti socialiste, qui se sont effondrés. Macron, bon voilà, il est encore une espèce de encore de béatitude pour un certain nombre de nos compatriotes, mais très certainement que tout ça va s'effriter assez rapidement. Je voyais d'ailleurs dans leur groupe à l'Assemblée nationale, ils se crêpent le chignon régulièrement. Donc tout ça fera long feu et tout ça. Et j'espérais que le Front serait justement cette force d'opposition à Macron. Et pendant des mois, enfin des semaines, pour pas dire des mois. Qu'est-ce qu'on offre en spectacle à nos électeurs souverainistes en France? On offre le spectacle d'un parti qui est en train de se déliter et qui tape sur une des personnes les plus efficaces. Parce que, au-delà de tout ça, il faut aussi reconnaître la force de travail considérable de Florian. Tous ceux qui le dénigrent aujourd'hui, on verra très rapidement que voilà. Moi, je le connais bien, le Front. Je sais comment il était avant l'arrivée de Florian et depuis l'arrivée de Florian. Avec l'arrivée de Florian et évidemment l'accession de Marine à la présidence du Front. Il y a eu un sacré coup de collier qui a été donné. On a un peu tapé dans la fourmilière en disant aux uns aux autres, bon, maintenant, vous allez bosser, il va falloir produire des choses régulièrement. Les vacances, c'est un peu fini. Le bricolage avec le bout de ficelle, on en a fini. Donc il y a eu un professionnalisme qui s'est mis en place avec Florian. Maintenant, on se sépare de ce côté professionnaliste pour sans doute revenir à un côté plus amateur et plus bricolage.